avec le gouvernement ivoirien, nous sommes en train d'élaborer la stratégie nationale de l'IA de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme partenaire stratégique, CONIA, le Conseil international de l'IA, avec HumanAI ont été choisis. Donc, nous en sommes très heureux. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de lancer avec le ministre la stratégie devant la presse et les télévisions. C'est un point marquant pour la Côte d'Ivoire qui a compris les enjeux de l'intelligence artificielle et qui a compris qu'il fallait aller sur cette technologie-là. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner la Côte d'Ivoire sur les outils à mettre en place, parce que c'est bien de faire une stratégie, mais il faut la mettre en place. Et nous allons organiser les JA 2025, donc les journées de l'intelligence artificielle, en février, fin février, les dates seront bientôt connues, avec le gouvernement, donc sous la haut patronage du président Alassane Ouattara. On félicite et on remercie de son leadership. Et bien sûr, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, le ministre de la Transformation digitale et du numérique, qui sera sous la présidence, bien sûr. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de ce partenariat-là avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays majeur en Afrique de l'Ouest, qui a compris qu'il fallait, après la stratégie, mettre aussi les outils en place. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Nous participons à la stratégie et à la mise en place d'outils que nous avons chez HumanAI, que ce soit les formations sur tous les écosystèmes. Parce que comme hier, il fallait maîtriser les outils de Word et Excel, aujourd'hui, il faut maîtriser les outils d'IA. Mais pour comprendre cela, il faut connaître ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc, nous sensibilisons, nous acculturons, nous démystifions ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est un outil au service de l'humanité. L'IA au service de l'humanité, tu sais que c'est notre credo chez HumanAI. Donc voilà les sujets. Les journées de l'intelligence artificielle, ce sera sur 3 jours, puisque tu sais que la semaine de l'IA, c'est 5 jours au Togo, tous les ans. Et ces 3 jours-là, on va sensibiliser, on va avoir des experts internationaux, de gros noms internationaux, et bien sûr les entreprises ivoiriennes, puisque l'idée, c'est de faire avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, mais par les Ivoiriens. Et ça, c'est primordial aussi de transférer les compétences, de faire l'autonomie de la Côte d'Ivoire en matière de compétences, de garder les talents locaux, d'éviter la fuite des cerveaux et de faire en sorte de leur donner les bons outils pour concrétiser tout ça. Mais pour ça, il faut aussi sensibiliser les chefs d'entreprise parce que c'est eux qui vont investir dans cette technologie-là et donc on pourra garder les talents locaux et éviter la fuite des cerveaux si on sensibilise bien, on implémentera, ils investiront et la boucle est bouclée, c'est un cercle vertueux. Donc tous les écosystèmes sont importants. Pour le faire savoir, les journalistes, les patrons de presse étaient indispensables. Et c'est pour ça que le projet Médiafrique du Konya est indispensable dans cette stratégie-là. Et c'est ce qu'on veut refaire aussi au Sénégal, avec vous, parce qu'on croit au Sénégal. Elles sont quasiment les mêmes, les stratégies. Qu'est-ce que c'est? C'est la régulation, déjà la réglementation, la souveraineté des données, le supercalculateur. Donc pour ça, il faut aussi des formations, il faut tout ça. Et ensuite, c'est la place, l'éthique, la place de l'humain dans tout ça. Et garder son identité culturelle. Il faut que l'IA soit au service de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques, c'est de trouver toutes les solutions des problématiques du pays avec des solutions d'IA, de montrer aux jeunes ce que peut faire l'IA. Si on les sensibilise, on les acculture à ce qui est le mindset du fonctionnement de l'IA, ils vont trouver des solutions rapidement sur toutes les problématiques de leur pays. On a l'agriculture, on a la santé, on a la formation, on a l'éducation. L'IA est dans tous les domaines d'activité. La seule chose qui va changer par rapport aux autres stratégies, c'est que c'est l'identité culturelle. On est tous différents, mais on se rassemble autour d'un même projet. Et donc, c'est hyper important de garder la culture de la Côte d'Ivoire. Et le ministre a bien compris ça, le président aussi, puisque ça a été une demande forte venant du gouvernement, et nous nous y attellerons. Alors déjà, le projet Médiafrique du Konya, présidé par le président docteur Malick Maurice Mouzou. Donc, c'est important d'acculturer tous les chefs d'entreprise qui sont dans les médias. Donc, la presse, tous les patrons de presse, les journalistes, que ce soit la presse écrite, radio, digitale ou télévisée. Pourquoi? Parce que vous êtes là pour faire savoir. Et c'est hyper important que vous compreniez à quoi sert cette technologie pour bien en parler. Nous sommes là aussi pour vous accompagner avec des experts de renom pour faire des articles sur vos domaines de prédilection, pour expliquer ce qu'est l'IA dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, tous les bénéfices que cela peut apporter au Sénégal. Et bien sûr, nous allons, après le projet Médiafrique du Konya, nous allons organiser les journées internationales de l'IA sur 3 jours, où nous allons démontrer le faire savoir à des experts internationaux, des experts aussi locaux, parce que c'est important, et toujours de faire avec les Sénégalais, pour les Sénégalais,
par les Sénégalais. Et ça, c'est indispensable. Bien sûr, il y aura des entreprises sénégalaises, des start-up sénégalaises que nous mettrons en lumière. Pourquoi ? Parce que ce que nous voulons, c'est que dans chaque pays d'Afrique, il y ait des licornes. Qu'on ne parle plus des Google, des GAFAM, etc., des Amazon, mais qu'on parle aussi des entreprises africaines, sénégalaises, au Sénégal, ivoiriennes. Aujourd'hui, il faut savoir que le mobile money, vous êtes les Africains, vous êtes les leaders mondiaux. Pourquoi ? Parce que vous avez répondu à une problématique où il n'y avait pas de compte bancaire, il fallait des transferts d'argent, vous avez fait le mobile money. Aujourd'hui, vous êtes les leaders mondiaux. Et pourtant, les journalistes ne le savent pas, et c'est africain. Donc nous, ce qu'on veut faire avec Human AI, c'est faire savoir. On a une force incroyable, on est à plus de 27 000 ambassadeurs de notre marque que l'on forme gratuitement, que l'on forme sur les enjeux de l'IA, que l'on forme sur les outils d'IA, etc. Mais quand ils viennent, on leur donne les gratuits. Mais chacun contribue aussi à sa façon et contribue aussi à faire des formations lorsqu'il maîtrise un outil. Bien sûr, on le forme à être formateur. Et après, le but, c'est qu'au Sénégal, on fasse le transfert de compétences. Que nos formateurs de Human AI, demain, soient sénégalais. Et ça, c'est primordial pour nous. Donc, amener nos outils, amener nos reconnaissances de diplôme Master 1, Master 2, diplôme d'ingénieur reconnus dans le monde entier, à l'international, avec le Comité international scientifique de l'IA. Et bien sûr, faire en sorte que les Sénégalais comprennent ce qu'est cette technologie. Mais tous les écosystèmes, on ne va pas changer ce qui fonctionne. Si on sensibilise, j'ai trop vu le chef d'entreprise sénégalais qui me disait « Jérôme, ça peut servir à quoi moi l'IA ? Je ne comprends rien. Je ne comprends pas à quoi peut me servir l'IA dans mon entreprise. » Déjà, quand on l'implémente dans son entreprise, ça facilite, c'est une aide à la décision. Ça enlève toutes les tâches répétitives de vos collaborateurs, mais en formant vos collaborateurs à ces outils-là, vous les montez en compétences, vous faites beaucoup plus de services, on multiplie les profits par 3,5 en moyenne, c'est une étude Microsoft, McKinsey, etc., et on la rentabilise entre 12 et 14 mois. Donc vous imaginez. Et ça permet à des entreprises qui étaient dans le secteur informel de passer dans le secteur formel. Donc plus d'impôts pour l'État aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils seront visibles. Et demain, ils seront obligés d'être dans le secteur formel. On va les pousser parce qu'ils augmenteront leur chiffre d'affaires aussi. Ils augmenteront leur notoriété. Et le but, c'est de donner ces compétences-là, l'autonomisation et la souveraineté aux Sénégalais. Les maisons de l'IA, c'est un lieu physique où on fait venir les enfants, les jeunes, les chefs d'entreprise pour expliquer ce qu'est l'IA. C'est un lieu physique. Il faut toucher, il faut palper la technologie. Et derrière, c'est aussi un laboratoire d'IA appliqué. Après la recherche fondamentale, on applique. Et on a un espace de coworking où on mélange les chercheurs, les universitaires avec le monde de l'entreprise. C'est important de faire connaître les travaux des chercheurs parce qu'un entrepreneur, il sait à quoi ça va servir et il sait le rendre bankable, ce que j'appelle, en business, gagner de l'argent et développer de l'argent pour le PIB du Sénégal. Et ça, c'est indispensable. On y fait des rencontres, on y fait des conférences, on y fait des ateliers, on y fait des hackathons. Mais on n'y fait pas des simples hackathons où c'est fini. Nous, tous nos hackathons, tous les projets deviennent des entreprises. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'on les met aux objectifs de développement durable et aux problématiques premières du pays, du Sénégal. L'idée, c'est de trouver des solutions sur les problématiques que vous avez. Aujourd'hui, en plus, vous avez lancé l'Agence nationale du spatial avec mon ami Maram Kéré. Et ça, c'est hyper important parce que le spatial permet de regarder, de fluidifier le trafic, de voir où sont les points bloquants, etc. Et l'IA peut nous aider à mieux comprendre, à optimiser les feux aussi. Les feux rouges, les feux verts, etc., à optimiser la circulation, à optimiser l'agriculture, à éviter les inondations, à comprendre pourquoi il y a des inondations, comment faire pour les éviter, les anticiper, etc. Et je dis tout souvent, tout ce qui est mesurable est contrôlable. Et tout ce qui est contrôlable est améliorable. Donc c'est ce que nous voulons faire au Sénégal, donner la visibilité de ce qu'est les solutions d'IA, ce que sont les solutions d'IA. Et la maison de l'IA est un lieu favorable à cela. On est à 37 pays aujourd'hui dans lesquels Human AI est allé, collaborant à différents niveaux. Donc il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Il y en a qui ont pris le pas, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc, etc. Et puis il y en a qui sont où on est en train de discuter, je parle de ça à la Centrafrique, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à Maurice, Madagascar, où c'est en train d'arriver. Et alors je pourrais citer les 37 pays, mais la liste est longue. Chacun va à son rythme. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de sensibiliser politiquement. Il faut vraiment y aller. Et je me suis rendu compte que quand on y va, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, il faut former les décideurs. Les décideurs des institutions aussi. C'est important que le chef du gouvernement il comprenne ce que l'IA va apporter, ce qui va contribuer à comme richesse dans son pays. C'est pour ça que nous avons créé cette formation, les enjeux de l'IA,
Au Togo, on va former tout le gouvernement, en Centrafrique, tout le gouvernement aussi. Et c'est pour ça qu'on forme aussi la presse. Parce qu'une fois qu'on a formé la presse, ils se disent, ah oui, la presse, ils savent de quoi ils parlent maintenant. Moi, je veux savoir aussi. Parce qu'un chef d'État ou les gouvernements ne peuvent pas tout connaître. Il faut leur expliquer, mais avec des chiffres bien précis, de la réalité, ce que j'appelle. Il faut être très factuel et pragmatique en fonction de chaque pays, en gardant l'identité du pays, la culture du pays, mais bien sûr en évitant la fuite des cerveaux. Et comment mettre en place ces outils-là? On a toutes les solutions et ça a fonctionné. Et c'est ça qui nous ravit, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance à l'international et il faut mettre ces contributions-là pour l'autonomisation de l'Afrique, la souveraineté des pays et de l'Afrique. Je crois beaucoup à l'Afrique. La jeunesse de demain, c'est l'Afrique. Hein. 60% de la jeunesse de 2030 sera africaine. 19 ans, l'âge moyen au Sénégal. Il faut leur donner une perspective aux jeunes. L'avantage de l'IA, c'est qu'avec un simple ordinateur de gamer, on peut faire tourner un algorithme. On peut trouver des solutions. On n'a pas besoin aussi de savoir coder. Si on connaît comment fonctionne l'IA, on peut se mettre avec des codeurs. Voilà, j'ai telle idée, est-ce que tu te mets avec moi? On crée une entreprise. Et nous, Human AI, on accompagne plus de 200 startups dans l'Afrique et dans le monde aujourd'hui, où on s'associe avec eux, non pas financièrement, mais on les forme à être de bons chefs d'entreprise. On leur met à disposition notre réseau de 27 000 ambassadeurs avec des compétences. Et surtout, on les fait savoir. Pourquoi? Parce que trop d'entreprises meurent à cause de quoi? Le faire savoir. Elles ont le savoir-faire. Mais nous, nous avons le faire savoir. Et on écrit, tu le vois, hein, sur les journaux, etc. On est reconnu internationalement aujourd'hui, qu'on soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. On est de partout. Et ça, c'est hyper important. Mais on parle des talents locaux. Et ça, c'est primordial. Ce que nous voulons, hein, c'est des licornes africaines, mais dans chaque pays. Et ce que nous voulons, c'est sauver la planète. Aux objectifs de développement durable, j'y crois beaucoup. C'est notre fer de lance chez Human AI et on mettra tous les moyens pour y arriver avec les gouvernements et les décideurs, rassembler les écosystèmes. La difficulté de l'éthique, c'est qu'elle est multiculturelle. On a été dans les premiers à définir le multiculturel. C'est considérer les autres comme ils voudraient être considérés, en considérant leur individualité, leur religion, leur culture, leur ethnie, d'où ils viennent. Et ça, c'est indispensable, parce que nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas la même religion, mais nous avons des points de convergence où il faut s'y mettre. Et je vois déjà en France la difficulté de mettre de l'éthique. Par contre, on peut mettre des cadres réglementaires et après mettre des normes et des certifications qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. La place de l'humain est primordiale et je suis en total accord avec l'ONU, il faut la place de l'humain. Pourquoi? Parce que c'est un outil. Et nous devons tous nous former. Moi, je dis souvent que les métiers de demain, c'est ceux qui vont maîtriser l'IA. Je le répète, hier, on devait maîtriser Word et Excel. Aujourd'hui, il faut maîtriser les outils d'IA si on veut faire partie des métiers de demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cochers ont combattu l'arrivée de la voiture. La voiture a gagné. Il ne faut pas combattre le progrès. Il faut l'accompagner. Et nous, Human AI, nous sommes là pour vous donner les formations, pour vous accompagner. Et ça, c'est primordial. On va être un perpétuel formation toute notre vie et c'est ça qui a changé. On doit être dans l'adaptabilité et vous avez les moyens d'être dans l'adaptabilité, de vous prendre en main, de faire partie parce que Human AI vous donnera les outils pour le faire.